Camarades de la Panzerwaffe, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Weightman Spirit. Alors aujourd'hui, comme convenu, on se retrouve pour une bonne partie en Tiger 1, type E. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, je vous ai préparé une bonne vidéo. Vous allez voir qu'on va pas faire de quartier, il va y avoir de l'exécution en ligne. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est vrai que le Tiger c'est devenu un petit peu compliqué. Et là, pour le coup, j'ai pas été confronté à trop de BR désavantageux. Donc, vous allez voir que. On fait encore bien le ménage comme il faut avec le Tiger, il faut pas désespérer. Alors c'est sur la carte usine abandonnée, donc en mode domination. Et comme à mon habitude, hein, je vais attaquer le point A. Je préfère toujours commencer par là. Bon, tout le monde a ses petites habitudes, hein, on sait bien. Alors là, c'est clair que ça va déménager assez, assez vite, vous allez voir. On va pas être déçu. Il va y avoir tout de suite beaucoup de monde sur A. D'ailleurs, au départ, je vais y aller prudemment parce que c'est vrai que je ne sais pas combien ils sont sur le secteur au départ. Et en plus de ça, j'ai pas trop de monde avec moi au début. Mais on va vite rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'à de le dire. Bon, alors le Tiger, hein, moi je reste toujours fanatique de ce char, hein, vous le savez. Même si effectivement maintenant, de plus en plus de chars le détruisent facilement. C'est vrai que c'est un petit peu chaud, même avec la modif des obus, c'est vrai que ça rebondit un peu plus, on a tendance à faire un petit peu plus de ricochets sur les ennemis, mais bon, ça reste encore acceptable, il suffit de bien ajuster ses tirs. Donc là je vais rentrer dans le bâtiment, là, je vais me mettre un petit peu à l'abri, juste une minute pour voir ce qui se passe. Parce que là, aller tout de suite au carton sur A sans savoir combien sont en face les ennemis, c'est un peu risqué. Donc ici j'aime bien me mettre ici en embuscade et j'attends qu'il capture tranquillement. Et on va voir un peu les mouvements qui s'en découlent et bien sûr et là on va pouvoir intervenir en fonction. C'est vrai qu'il vaut mieux être un petit peu plus prudent parce que comme je vous le disais, bah, c'est plus aussi facile qu'avant. Donc là il y a un Sherman M4A1, donc très résistant là, l'espèce de jumbo de merde, c'est clair. En plus de ça maintenant en un coup de face il vous détruit, c'est quand même assez hallucinant. Il est résistant et en plus maintenant on a l'impression qu'il est plus puissant qu'avant, donc faut vraiment neutraliser ce char d'une façon qui est claire et nette, c'est de lui péter le canon parce que sinon franchement c'est de face c'est impossible de l'endommager. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais viser directement le canon pour lui stopper, voilà, comme ça au moins on est tranquille. Maintenant je vais pouvoir me déplacer et je vais aller le chercher sur le flanc, donc là je suis sûr qu'il pourra plus me tirer dessus. Donc là, on voit bien, il cherche à tout prix à protéger son côté. Donc là, bon coup critique. C'est vrai que ce char, voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir sur les côtés. Lui détruire son moyen de nous tirer dessus. Et après, bah, c'est quand même plus facile parce que sinon, franchement, c'est désespérant. C'est vraiment hallucinant ce char. Donc là, bah, je passe par derrière, hein, bien sûr. On va voir ce qui se passe. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas du tout combien ils sont. Voilà, j'ai des alliés qui sont en face, mais ils sont pas, on n'est pas beaucoup hein, sur le secteur A. Et d'habitude, il n'y a pas autant d'ennemis que ça sur A. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé avec beaucoup d'ennemis sur le même point, surtout dans cette carte. Donc là, à ce moment-là, je commence à capturer, mais bon, de toute façon, il va falloir faire le ménage avant. Parce que là, il va y avoir un autre Sherman. Donc là, on va attendre qu'il sorte, parce que là, il est bien en travers. Allez bien par ici. Voilà, donc là c'était le Sherman de la version française avec la tourelle d'AMX.
Donc là on a un IS2 qui est bien en travers aussi, impeccable, voilà, ça c'est débarrassé. Donc là visiblement je commence à capturer, donc il n'y a plus personne sur la zone. Là, je me fais tirer dessus par un anti-aérien derrière, c'est pas bien méchant, mais il va falloir que je me retourne assez vite. Et en plus de ça, vous allez voir, là je viens de prendre un coup sur le côté, il y a un autre Sherman qui est derrière moi, donc heureusement, voilà, on s'en débarrasse. Bon bah là on peut dire qu'on a nettoyé le secteur, je peux prendre le point, vous avez vu, tranquillement. Donc là je vais me sortir du point, là je vais essayer de me mettre en amont, je vais essayer d'intercepter les prochains ennemis qui vont venir. Alors, on va essayer de se déplacer par là. Donc là il y a un tir qui vient d'arriver là au loin sur le flanc gauche, mais là je fais une grosse erreur, c'est que là je ne vois pas d'où vient le tir exactement et je sors trop à découvert. Et malheureusement, voilà, il y a un autre Sherman qui me dégomme. J'avais pas de visu, je suis là, franchement, j'étais un peu euphorique, je suis sorti trop vite. Là, c'est de ma faute, j'aurais pu éviter ça, et bon, là, je suis détruit bêtement, hein. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est que le début, vous allez voir que c'est loin d'être terminé, et en plus de ça, ils ont vraiment décidé de pas lâcher le point A, c'est clair. C'est vrai que la partie, au départ, c'était assez tendu, c'était pas super bien engagé. Et on voit que ils ont bien décidé de le tenir le point et de pas nous le donner. Donc je vais retourner tout de suite sur le point A, hein, bien sûr, on va retourner au carton. Voilà. À ce moment-là, j'ai toujours pas beaucoup d'aide. Hein. On voit qu'il y a un allié qui est sur le point seulement. Et en fait, j'ai la plupart de mes alliés qui sont déjà éliminés de la partie. Ça, c'est vrai que c'était un petit peu tendu là, parce que à ce stade-là, on est déjà plus beaucoup sur la carte, ça se voit. J'ai un allié qui est en train de décaper, donc ça c'est pas mal. On va se placer ici. Donc là il y a l'IS2 qui est arrivé. Donc là on va essayer de le toucher correctement. Alors tourelle, hein, qu'est-ce que ça peut rebondir l'IS2? Il est quand même assez solide, hein, c'est clair. Donc là je peux pas l'avoir. Je vais me redéplacer. Donc là. Ouais, c'est vrai qu'il faut regarder partout, hein, parce que là ça va tellement vite quand vous êtes au corps à corps avec le tigre, les temps de rotation de tourelle, on peut pas se permettre de trop faire d'erreurs. Donc là je vois qu'il y a un anti-aérien qui est aussi dans la fête. Alors, on va s'approcher. Voilà, bah, il y a le Sherman qui m'a détruit tout à l'heure, voilà, là c'est œil pour œil, ça fait du bien, une petite vengeance. Donc là je vais monter sur la rampe, je vais me mettre à couvert, parce que là... Je suis un petit peu seul parce que l'anti-aérien ne peut pas faire grand chose avec moi, c'est clair. Là, à ce moment-là, on temporise un petit peu. Hein. C'est vrai qu'il faut essayer de garder son self-control, c'est le cas de le dire. Et là, vous avez l'IS2 qui est juste là. Ah, c'est impeccable, il m'a pas vu. Et en plus, il me tourne le dos, donc là, c'est parfait. Il vient par ici. Voilà, ça, c'est bon. Alors là, terminé. Là pour l'instant on va dire que la situation se gère pas mal, hein, même si on s'en retrouve quand même avec beaucoup d'ennemis, hein, là c'est clair qu'on a mis les pieds sur un nid de frelons, c'est qu'à de le dire, ils sont quand même nombreux à chaque fois, ils reviennent en force. Et nous on n'est vraiment pas beaucoup, donc là l'anti-aérien. La route là il y a encore un Sherman, voilà c'est fait. C'est vrai qu'à cette distance là le type franchement il fait vraiment mal, hein, la puissance est toujours là, il n'y a pas de problème. On va se glisser gentiment sur le côté, on va aller chercher l'anti-aérien. Juste là. Donc là c'est parfait, il ne me regarde pas du tout. Allez, viens par ici. Voilà, ça c'est fait. Bon, bah le deuxième nettoyage de zone assez radical. Hein. On va dire que là on n'a pas fait dans le détail. Ah franchement c'est assez plaisant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bonne partie comme ça avec le tigre, franchement. Et encore là bêtement tout à l'heure j'ai perdu ma première unité. Alors là par contre là c'est tendu, j'ai un SU-152 qui vient de me tirer dessus à bout portant à l'arrière. Et alors là c'est clair que ça va être chaud. Donc là je me colle à lui parce que j'ai remarqué que quand on est très près d'un ennemi, le canon en général fait que soit il est compté comme à l'extérieur du char, et bien souvent l'ennemi qui vous tire dessus bah, il vous fait pas de dégâts, le tir est... c'est comme si le tir passait au-dessus, vous voyez là il s'est rien passé. On a tiré dessus et en fait il était trop près, ça n'a pas fait de dégâts. Moi dans 3 secondes je vais pouvoir réaligner. Là à sa place je me serais redéplacé.
Et alors là, je pense qu'il était vraiment fâché, là, le mec avec le SU 152, parce que là, finalement, je m'en sors vraiment miraculeusement. Là, honnêtement, je pensais vraiment être détruit. Hein. Là, je me suis dit, cette fois-ci, ça va être terminé. Et là, je recapture la zone une deuxième fois. Donc là, ça, c'est parfait. Là, on a encore un Sherman. Voilà, je vais essayer de leur taper plus bas, parce que c'est vrai que les tourelles, ils encaissent bien les Sherman quand même. Là, par contre, celui-là, M4A2, au niveau du châssis, ça rentre tout seul. Voilà, c'est fait. Donc, on se redéplace. Là, on en est déjà à 10, hein, c'est déjà pas mal. Vraiment, c'est le bonheur en tigre, on s'éclate. Allez, on va se redéplacer. Là, j'ai essayé d'avancer en amont parce que là, je suis à ce moment-là convaincu qu'ils vont encore essayer de revenir. Alors, on va se protéger à l'intérieur du bâtiment tout en avançant. Allez, on progresse. Parce que là, vous voyez, j'ai toujours pas eu d'aide hein, jusqu'à maintenant. Je me suis débrouillé tout seul. Et là, voilà, qu'est-ce que je vous disais, il y a un AMX-13 terminé. J'avais bien fait de me rapprocher hein, parce que vous avez vu, il est arrivé vite. Hein. Il est arrivé super vite. Donc là, je vais aller me mettre un petit peu en embuscade sous le hangar là-bas. On va essayer de voir un petit peu s'il y a des ennemis qui sortiraient puisque leur spawn n'est pas très loin. Enfin, un des deux spawns est dans l'axe là. Là, je vais monter dans une petite embuscade ici et en plus de ça, je vais me mettre à couvert parce qu'ils vont commencer à sortir leurs avions. Puisque là, pour eux, ça devient un petit peu compliqué. Donc, on sait bien ce qui se passe en général. L'aviation commence après à nous harceler quand ils n'arrivent pas à voir le dessus. Donc là, voilà, je me mets dans l'ombre en plus. Et là, je suis vraiment protégé. Si les avions passent, ils ne me trouveront pas. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on voit, ils sont déjà là. Puis ici, si ça sort, de toute façon, j'aurai le temps d'intervenir. Alors vous voyez, c'est comme je vous disais la dernière fois, hein, il faut vraiment maintenant réadapter la façon de jouer de certains chars, même si il n'y a pas de gros changements majeurs, mais honnêtement j'ai l'impression quand même que le Tiger 1, plus ça va, on a l'impression, plus il est fragile. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que bien souvent maintenant on se fait détruire. Quand vous avez des M18 qui vous one-shot, franchement de face... Dans la réalité, ce char, il était incapable de détruire quoi que ce soit de ce niveau-là, que ce soit un Panther ou un Tigre 1. C'est là où c'est aberrant, quand même, de la part de Gadjin. Déjà que ce char, il est ultra mobile, c'est même abusif. Et en plus, il vous défonce comme si vous étiez en papier mâché. Moi, franchement, je trouve que là, quand même, faut pas déconner. Des chars comme les M18 ou les Sherman, là, même le Jumbo, je suis désolé, mais ils pouvaient pas péter un Tigre comme ça, de face. C'est vraiment... C'est vraiment excessif de leur part de faire ça, parce qu'au départ, franchement, le Tigre, il encaissait très très bien, hein. Il n'y avait pas de problème majeur, et là, maintenant, il faut limite se cacher, il faut faire des contournements, il faut éviter les affrontements de face à découvert, ou alors il faut vraiment être très rapide sur les tirs. Et c'est vrai que pour le coup, je vous conseille de le passer en as, même s'il faut, c'est vrai qu'il faut débourser un petit peu des aigles. Mais franchement, le fait d'augmenter le temps de rechargement, bah, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Hein. Avec un équipage à 100%, vous améliorez vos chances de performance avec le Tiger 1. Il faut vraiment pas lésiner l'astuce. En plus, bon, le coup de passer en as, le Tiger 1, je sais plus combien c'est, mais c'est pas non plus excessif. Et honnêtement, ça fait quand même la différence. Un équipage à fond avec la compétence en as sur le char. Bah vous descendez vraiment le temps de rechargement, c'est vrai que c'est vital, hein, puisque on sait qu'en face, la plupart des chars rechargent très vite. Donc c'est vraiment dommage de se passer de ce petit atout pour nous aider à bien gérer la situation. Donc là, à ce moment-là, ils sont en train de décaper B, donc je vais aller gentiment sur B. Puisque maintenant, bon bah là, on voit dans la carte, hein, c'est un peu le vide sidéral avec les alliés. Et les ennemis sont plus nombreux non plus. Donc là, il va falloir être méfiant. Et intervenir au bon moment. Donc là, je progresse le long de ce mur. Là, c'est vrai que ça, c'est pratique. Hein, vous pouvez vous déplacer relativement discrètement. Là, toute cette longueur, elle est quand même assez couverte. Et là, regardez, ça sort sur le côté. Il y a SU-85 qui sort en travers, qui venait de capturer. Donc c'est impeccable. C'est vrai qu'il vaut mieux des fois attendre un petit peu, même s'ils capturent, c'est pas grave, on les laisse faire. Ils prennent la confiance, ensuite ils sortent des places et là ils montrent leur position. C'est quand même plus facile que de venir aller chercher sur la zone s'il est caché ou vous ne le voyez pas tout de suite, c'est risqué. Donc là, à ce moment-là de la partie, si le gars était encore là dans la partie, c'est qu'il a encore des points pour ressortir un char. Donc là, ce que je fais,
C'est que je me prépare en fait à sa sortie. C'est évident qu'il va revenir tout de suite avec un achat. S'il est encore là, c'est qu'il peut encore sortir un véhicule. Et vous allez voir que ça n'a pas loupé. Il est là-bas avec son T3485. Voilà. Terminé. Là, on s'en débarrasse. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc là, à ce moment-là, je vais regarder dans le batlog parce qu'en fait, ce que je veux voir, c'est s'il disparaît, s'il est grisé ou s'il va ressortir un troisième char. Donc là, je le vois. On va voir qui va, ça va s'éteindre. Voilà, il est devenu gris. Donc là, je sais qu'il ne reviendra plus dans mon dos. Terminé, on peut aller tranquillement s'approcher de B et éventuellement essayer d'attaquer C. Donc là, c'est des petites astuces, mais c'est vrai que quand vous détruisez des ennemis comme ça, regardez le nom et cliquez pour voir si le gars ressort un char ou pas. Ça peut quand même vous permettre ensuite agir plus sereinement si vous savez qu'il n'y a plus d'ennemis qui peuvent sortir un char dans votre dos. En tout cas, vous éliminez ceux qui connaissaient vos positions juste avant, donc ça c'est assez intéressant. Ça coûte pas grand chose de le faire et au moins ça facilite votre façon de progresser dans la partie, quoi. Donc là, pas de problème, donc là je suis juste à côté, le collègue capture. Donc là je vais directement vers C. En plus de ça, on va pas se mettre à dos sur une zone si un avion arrive. Il nous balance une bombe, il en détruit deux d'un coup, donc là il faut vraiment éviter d'être trop resserré sur la fin de partie. Il faut essayer de gérer les écarts correctement. Donc là, c'est pareil, j'attends un petit peu de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que quelqu'un sort? Parce que là, il vient de capturer C, mais je le vois pas du tout. Alors il doit être dans le bâtiment, hein, c'est évident. Donc là, vous avez vu quand même que pour l'instant, finalement, à part la perte que j'ai eue au début, puisque j'y étais un petit peu trop vite, jusqu'à maintenant, mon deuxième tigre s'en sort très bien. J'ai pas énormément de dégâts. Bon, bah là, le SU-152 tout à l'heure, franchement, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de chance aussi. Mais jusqu'à maintenant, j'ai réussi à garder mon char quasiment intact. Donc là, personne vient sur ce côté-là. Bon, voilà, de toute façon, la partie s'est terminée. J'arriverai pas à rentrer pour finir le dernier. Bon, bah là, franchement, sur le coup, on a vraiment mis le paquet. C'est vraiment une partie qui fait plaisir. Honnêtement, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une partie comme ça. C'est vrai que c'est vraiment agréable, quoi. Donc, le Tigre 1 n'est pas mort, hein, je le redis, vous le savez. Voilà, la preuve en est qu'on peut encore faire énormément de ménage avec. Il n'y a vraiment pas de crainte à le jouer, il faut juste être un petit peu plus prudent qu'avant et puis être un petit peu malin avec. Et franchement, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. On fait encore très mal à l'ennemi. Donc écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis je vous laisse avec un petit bonus sympathique. Vous allez voir un affrontement Tiger 2 Slash 16 vs IS6 qui devrait vous plaire, je pense. Donc voilà, écoutez, je continue ma recherche sur le Léopard 2, la nouvelle version. Et puis on continuera un petit peu sur les Anglais dès que j'aurai un petit peu de temps. Il faudra que je m'en mette dessus. Et puis voilà. Écoutez, en tout cas, bonnes vacances à tous pour ceux qui partent. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.